Arrêtez de me suivre. Je peux pas. J'appelle la brigade. Attendez. Mais c'est pas possible. Quand on m'a greffé cette puce, on m'a dit que c'était pour toujours. Il y a eu un bug. Vous allez la remplacer combien de temps? Bah, le temps qu'on la recharge. Vous en faites pas, hein, je suis pas là pour vous juger, juste vous géolocaliser. Je suis suiveur assermenté. Je mets où mon blouson? Chouette la déco. J'ai du travail, monsieur Puce. Désolé, je me suis pas présenté, je m'appelle... J'ai vu, mais pour moi vous êtes monsieur Puce. Bah vous en faites pas, vivez votre vie, je me fais tout petit. J'y arriverai pas. C'est à moi que vous parlez? J'arriverai pas à rendre ce rapport demain, je pourrai jamais m'habituer à vous. Vous disiez ça de votre puce au début. Ah oui. Et vous avez signé pas mal de pétitions, hein? Contre la surveillance généralisée, pour la libre disposition de son corps, contre le restrict... Vous appelez ça de la géolocalisation? Bah... Vous trouvez pas ça monstrueux? Vous continuez à penser et à agir librement? Au moins ma puce était facile à oublier. On finit toujours par m'oublier. Vous savez ce qui me dérange le plus? Non, ça, je sais pas. C'est que ça a l'air de vous plaire. Ah bah c'est un boulot très varié, hein, sur le plan relationnel. Bah, j'imagine. Il y a ceux qui veulent vous étrangler, ceux qui préfèrent vous défenestrer, ceux qui aimeraient vous pendre. J'apprécie. J'espère. Non, vraiment, vous n'avez pas peur d'être sincère avec moi. Alors, moi aussi, je vais être franc. Vous savez ce qui me motive le plus? Le salaire. Moi, il n'y en a pas. L'hébergement. Si votre puce n'est pas rechargée avant demain, je n'ai que ce petit canapé complètement défoncé. Parfait. Je crois que je pourrais dormir sur des clous. L'autre avantage, bah, c'est les repas. Après 7 ans de chômage... Pardon? Ouais, 7 ans. Je dois vous nourrir? Ah mais je mange de tout, hein. Même des clous? Et dans votre frigo, il y a des endives, du bleu, de la... Taisez-vous! Plus je vous écoute, plus ça me rend dingue. Finissez votre rapport. Je prépare le dîner. Vous aimez le gratin, je crois. Ça vous plaît? Trop de bleu. On dirait que vous avez bien avancé dans votre travail. Moi, je suis sur un cas très complexe. Oh, ça doit pas être évident, hein, la télégestion du personnel. Ma puce ne se vantait pas en permanence de tout savoir sur moi. Elle vous faisait du gratin. Non. Je suis en service quand même. Vous faites toujours la cuisine en service? Oh, bah, j'ai aussi réparé le bidet d'une vieille dame. J'ai fait un château de cartes pour un type qui faisait des réussites. Vous êtes sûr qu'on vous oublie si facilement? Je veux bien un petit fond, en fait. C'est la première fois que vous me dites quelque chose d'un peu gentil. Vous en avez rien de personnel. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous allez me dire que je me vante, mais je sais que vous achetez une bouteille tous les jours depuis que vous êtes seul. Ça vous défrise? Non, mais vu votre dernière alerte de santé... D'après les algorithmes, il y a un grand risque que vous... Arrêtez ou je vous baïonne! Un peu de gratin? J'ai plus faim. Vous n'allez pas me suivre? Ah, pas la peine, il n'y a pas de fenêtre. Léa? Je voulais vous dire... J'ai pas été complètement franc avec vous... Je suis pas suiveur assermenté. Je suis stagiaire. Vous m'en voulez pas trop? J'avais tellement besoin que vous me fassiez confiance. Léa? Bonne nuit. Monsieur Puce? Oui? Vous ne voulez pas vous endormir avant moi? J'ai pas le droit. Je suis crevé. Je suis guetté par la cirrhose. J'ai mon rapport à rendre demain. Ah oui, mais... Vous savez de quoi j'ai envie? Prendre mon oreiller. Et vous étouffer. Ah bah c'est normal, hein, c'est la première nuit. J'ai l'impression que vous allez me suivre jusque dans mes rêves. Vous en faites pas. Je suis pas 100% votre puce, hein. Je suis pas... Oui. En vous. C'est délicat.
Par contre, j'ai absorbé tous les rêves qu'il y avait dans votre puce. Et c'était bon. Vous êtes drôle. Gabriel, qu'est-ce qu'ils disent, mes rêves? Une chose, surtout. Quoi? Ils disent que si je vous les raconte, vous n'aurez pas le temps de finir votre rapport. C'est vous qui êtes drôle. Déjà levé? Vous avez bien ronflé. Ben non, je ronfle pas. Pas besoin de votre puce pour le savoir. Vous avez fait de beaux rêves? Je me souviens jamais de mes rêves. Moi, j'en ai fait un très agréable. J'étais votre ombre. Collé à vos chaussures, je me déplaçais partout avec vous. On ne parlait pas. Vous ne disiez rien? Non. On était bien. Ah, quoi? Votre puce est rechargée. Déjà? Vous allez dormir où? J'espère qu'une autre puce va bugger dans le coin. Allez, votre tartine? Je dois conclure mon rapport et l'envoyer. Léa? Votre cas complexe, c'est... Je suis désolé. Ne vous en faites pas. Je vous juge pas, Gabriel. Je dois juste vous évaluer. Je vais être assermenté. Je peux pas mettre de mots. Je dois remplir des cases.